fonçait comme un taré. Moi, j'étais derrière en chasse-neige. Puis il y avait un poteau aussi. Mon père, il criait « Mettons, mettons !» Je vais me prendre le poteau. Que ça t'embête pas, hein. T'as pas froid comme ça, là? Et tu veux pas la laisser respirer un peu, là? Clément? Oui? Je sens qu'elle gigote. Voilà, elle est contente. C'est pas elle, c'est il. Hein. Alors t'arrêtes. Il gigote. Ah non, c'est elle. Non, non, c'est il. Ah, c'est il gigote. Mon petit bonhomme, j'ai besoin d'une petite piste noire. Et puis tu viendras avec moi quand tu seras plus grand, quand tu feras du 44 fillettes. D'accord. Et si c'est une fille, tu la laisses à point hauteur en bas des pistes avec sa mère. Hein? Ouais, ça c'est fort possible. Ouais. Il faut peut-être même que je réfléchisse à la question, d'ailleurs. Un petit bisou. Un petit bisou. On encore du bisou. Je t'aime. Okay. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà mon amour. Papa est parti. C'est comme ça les hommes, hein, tu verras. Toujours en vadrouille. Bon. N'empêche qu'il a raison. Il faudrait pas que tu prennes froid mon cœur. Allez. On va se faire ce petit tour. Que je te propose de diriger le service de rééducation. C'est pour tes qualités, Anne. Mais disons que c'est trop tôt, alors. Kiné, oui, mais diriger le service, non. C'est gentil, mais je me sens pas prête. On en reparle dans 6 mois, d'accord? Bac. On va continuer comme ça. Ils vont penser qu'il y a un petit peu plus que d'amitié entre nous. Ça, c'est déjà fait. Mais j'ai rien contre. Ah, c'est l'hélico, le blessé qu'on attendait. Tu m'accompagnes? Berg. Passez-moi la perfusion. Allez, on la sort. Attention. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Un accident de surf. Trauma crânien. Elle a dû prendre la planche direct sur le crâne. Faudra checker, mais je pense pas qu'elle te casse ailleurs. Bon, ok. Rien d'autre? Rien, elle n'avait pas de papier. Mais les gendarmes vont s'en occuper. Si au fait, elle est enceinte. Et probablement de 7 ou 8 mois. Thank you.
comme un moyen, préservant les réflexes pupillaires et déglutition. C'est pas la peine de l'intuber. On va la mettre en réa pour vérifier qu'elle n'a rien de cassé. Faites préparer la chambre au second, s'il vous plaît. Et faites monter le Doppler. On la conduira à la radio pour vérifier qu'elle n'a rien de cassé. Ah, ça y est. Je viens de sentir le bébé remuer. Tu sais, on va pas pouvoir la garder à la clinique blanche, Anne. Ah bon, pourquoi? On a tout l'équipement qu'il faut ici. L'équipement, oui, mais c'est très particulier, la surveillance prénatale. Oui, et surtout dans ces conditions. Le bébé va bien. On va s'occuper de vous. J'ai téléphoné, il n'y a plus de place dans les services spécialisés. Peut-être demain à l'hôpital d'Andas. J'arrive. On va la garder cette nuit et je demanderai au professeur Caprioli de passer la voir. C'est quoi? On l'a trouvée dans la doublure de sa veste tout au fond. Hôtel Mont-Blanc. Je vais avertir la gendarmerie, ils préviendront sa famille. Bah, attends, c'est pas des trucs complètement, c'est comme ça, Stéphane. Non, je préfère y aller moi-même. Ah. Anne Belfond vient de s'inventer une nouvelle mission. Exactement. Quelque chose à redire, docteur Tellier? De toute façon, tu me laisses pas le choix. Béatrice, pendant que je suis au bloc, vous pensez à faxer les résultats de Madame Plain, du professeur Caprioli. Excusez-moi, est-ce que je pourrais parler aux personnes qui occupent la chambre 27, s'il vous plaît? Oui, ils sont bien ici, mais ils sont partis skier pour la journée. Est-ce que je peux leur faire part d'un petit message? Ah bon, oui, parce que voilà, on a retrouvé cette clé sur une jeune femme qui a été accidentée sur les pistes. Alors j'aurais voulu parler à la personne qui l'accompagne. Oui, elle est avec son mari, en effet. Il s'agit de monsieur Clément Fabre. D'ailleurs, il m'a téléphoné tout à l'heure, il voulait savoir si elle était rentrée à l'hôtel. Ah, justement, le voilà. Excusez-moi, vous êtes bien Clément Fabre? Oui, oui. Voilà, je suis Anne Belfond, je suis kiné à la clinique Blanche. Oui, oui. Votre femme... Virginie. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Elle va pas mourir. Je lui ai dit dans la voiture, Clément. Virginie est dans le coma. Mais vous inquiétez pas, c'est le choc. Il faut juste lui laisser le temps de refaire surface. Ouais. On y verra plus clair demain. Le bébé, le bébé. Ah, tout va bien, on a vérifié. Tout est normal pour lui. Normal, 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 oui. Vous appelez ça normal ou... Croyez-moi, Clément. Vu les circonstances et tout ce qui s'est passé, je vous assure que tout est pour le mieux. De toute façon, on ne peut rien faire de plus ce soir. Je vous assure qu'on nous verra plus clair demain. Esther pourrait peut-être installer un lit dans le service pour Clément pour cette nuit, à côté. Mais c'est pas très habituel, ça. Oui, non, mais je prends ça sur moi, Esther. Mais vraiment pas changé, Anne. Merci. Je peux tellement comprendre ce que vous ressentez. Vous croyez, mais... À demain, Clément. Arranger le lit pour Clément. Ah, bien. On va le mettre dans la petite pièce, en face de la chambre de Virginie. Bien, très bien. J'ai quand même demandé au docteur Tellier. J'ai dit que c'était votre idée. Il a accepté, bien sûr. Eh bien, ça va encore jaser dans le service. Ah, Esther, veillerait bien sûr Clément, hein, parce qu'il est un petit peu à cran.
J'aurais pas le temps de repasser. Eh oui, le TGV de 19h. Mmh. Vous envoie ce que Thomas pour moi. Ouais. Et puis soyez prudente hein, sur les routes parce qu'il paraît qu'il y a du verglas là-bas. Ouais, Esther, je ferai attention, merci. Je suis désolée, Thomas. Un problème à la clinique. De voir. T'as fait mon voyage? Ouais, très bien, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je te sens... Rien, trop de travail. C'est comme toi, j'ai besoin de souffler un peu. Alors raconte-moi, c'était quoi ce problème à la clinique? C'était Stéphane qui voulait pas te laisser partir? Non, 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 non. C'est une jeune femme enceinte qui a été percutée par un surfeur. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Je suis fatigué, c'est tout. Est-ce qu'on peut avoir la carte, s'il vous plaît? Alors, t'es contente de me voir? Ouais, évidemment, ouais. Oui, on t'a vu, bonhomme. Émilie, mon père, Anne, bien sûr. On travaillait, on n'a pas vu le temps passer. Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir, Émilie. Bon, ben, je vais vous laisser peut-être. Déjà? Attends, je te raccompagne. C'est vrai que c'est tard quand il y a ses parents qui vont s'inquiéter. Donc, je reviens dans un petit moment, quoi. D'accord. Ok. Bah, tu vois, ton fils se porte bien. Il a l'habitude de ramener ses devoirs à la maison. Tu veux parler d'Émilie? Émilie, c'est la première fois. Et tu laisses faire? Attends, Thomas, c'est ton fils, c'est pas le mien. J'aime énormément, on est très proches tous les deux, mais j'ai pas du tout envie de jouer les censeurs. Est-ce qu'on a vécu ensemble? J'ai juste envie qu'il soit heureux. Oui. C'est un petit peu son tour, non? En fait, il supportera pas de revenir avec moi. Revenir? Revenir à Paris? Ah bon, mais je pensais que t'avais demandé ta mutation. Bienvenue. Laurence. Ma femme. T'en parlais bien avant et... Anne. Choisis, Thomas.
veux que je parte? Est-ce que t'avais vraiment envie de venir? Tu as raison, Anne. Faut qu'on prenne du temps. Il faut qu'on prenne du temps pour réfléchir tous les deux. Tous les deux? Oui, le carnet. Oui, j'ai le carnet, mais un accident de sorte, il n'y en a pas eu qu'un hier, moi, je vous le dis. Non, un accident grave, Une jeune femme qui est transportée d'urgence par hélico à la Clinique Blanche. Ah oui, hélico, Clinique Blanche, oui. 11h14 exactement, je vois ça. Et qu'est-ce que vous voulez savoir sur cet accident? Le nom des surfeurs qui l'ont secouru, c'est pour les remercier. D'accord. Alors, c'est Pélex, un nom du coin, ça, Pélex. Bruno Pélex, ok. Je vais vous donner vos... ses coordonnées, vous l'appellerez. Non, ça ira. Merci. Pas de rien. Bonjour. Anne est déjà partie? Elle a eu du travail à la clinique. Je voulais te dire pour hier soir, je suis désolé. Hein. Non, en fait, je suis pas désolé du tout. Comment tu la trouves? Qui? La Émilie? Au lycée, tous les mecs se collent dessus. Ils tournent autour. Et tu veux croire en plus de ça? J'adore. Sébastien. Sébastien, il faut que je te parle. Pour me dire de faire attention. Tu sais, je t'ai pas attendu. Hein. Tu sais, les présos, ça va, c'est bon, je m'assume. Ta mère, Laurence, est revenue. Je sais ce que t'en penses. Il faut pas la juger. Elle a déjà eu le courage de revenir me voir. J'en ai parlé hier soir à Anne. Et on est d'accord pour prendre du temps tous les deux pour réfléchir. Mais putain, mais pour réfléchir à quoi? Attends, tu aimes Anne ou non? Mais les choses sont pas aussi simples. Tu sais, ta mère, je l'ai beaucoup aimée. Mais là, je sais plus où j'en suis. Je sais plus. Eh mais, on n'est pas heureux tous les trois ensemble? Alors tu veux tout gâcher parce que l'autre est revenu? L'autre, c'est ta mère, Sébastien. C'est pas ma mère. C'est plus ma mère. C'est une sale égoïste qui est partie sans rien dire. Elle m'a planté au moment où j'avais plus besoin d'elle. Laurence ne savait pas quand t'as eu ton accident. Mais elle aurait dû le savoir. Je sais pas, mais une mère, ça sent ces choses-là. J'ai même plus envie de parler d'elle. Elle t'a pas fait assez souffrir comme ça. Hein? C'est sans moi. Sébastien. Flux cardiaque normal. Au flux ombilical, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu plus compliqué. On va voir
flux cérébral. Ben c'est très bien. On n'a pas de problème. Ce bébé n'a absolument pas souffert du traumatisme subi par sa mère. Et il ne risque rien? Enfin, je veux dire... Qu'est-ce qu'il pourrait risquer? Il est nourri normalement, oxygéné normalement. Vous savez, on n'en demande pas plus à cet âge-là. Hein? Non, tant que les fonctions vitales de sa mère sont assurées, il grandit tranquillement. Et puis, pour ce qui concerne Virginie et RS, il faut simplement attendre 2-3 jours que les choses évoluent un peu. Bon, bah, conclusion. Bah, conclusion, tout est sous contrôle. Le bébé a au moins 30 semaines et il se porte bien. Non, rien ne justifie un accouchement prématuré, non. Non, ça serait mieux que le bébé aille jusqu'à son terme. Si vous êtes d'accord, Tellier, cette jeune femme peut rester ici. Bah, de toute façon, moi, j'ai pas de place dans mon service avant une semaine, alors. Professeur Caprioli, c'est possible de revoir le bébé de Virginie? Alors voilà la tête. Là, le cœur. La colonne vertébrale. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a vraiment aucun problème. Vous voulez connaître le sexe du bébé, Anne? Ben oui, oui, je veux bien. C'est pas facile. Le bébé est en position de siège. C'est probablement une fille. Regardez. Voilà, vous êtes fixée, Virginie. C'est une petite fille. Parce que j'aurais promis la terrasse pour la fin de la semaine, c'est possible? Oui, monsieur Pélex. Ok. Bernard, c'est pour les potiers, pour le sable. D'accord, monsieur Pélex. Bon courage. Allez, Patrick, allez, encore un petit effort. Tu montes, tu montes, tu montes. Allez, allez, monte encore un petit peu, un petit effort. Ah non, tu triches, là, tu montes ta main. Non, à peine, allez, vas-y, allez. Tu montes, tu montes, tu montes. Excusez-moi, j'ai pas du tout l'habitude d'intervenir, mais là, ça va pas. Tout le monde n'a pas le mental d'un champion comme vous. Alors stop, vous voyez bien qu'il est pas capable de faire ce que vous lui demandez. Comment ça, pas capable? Bien. Voilà. Ouais. Mais il a forcé. Allez-y, continuez à forcer. T'inquiète pas, continue comme ça, puis tu vas y arriver. Dans 15 jours, t'es sur tes skis. Je crois. Ouais. Tu vois, il y a des pistes magnifiques au printemps. Allez, on y retourne. Une petite série de 5. Allez, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Allez, 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 on tient, on tient. Tu montes encore. Allez. Bonjour, monsieur Fabre. Comment ça va ce matin? Vous savez, les médecins sont déjà passés. Rassurez-vous, le bébé se porte très bien. Tout se passe normalement. C'est quoi ces conneries? C'est quoi tout se passe normalement? Si ça allait bien, vous croyez qu'elle aura besoin de tout se perdre? Mais monsieur, calmez-vous. Elle est en train de crever, vous comprenez ça? Elle est en train de crever! Calmez-vous, monsieur Fabre. Aussi. Foutez-moi la paix! Pas crier comme ça, monsieur Fabre. Virginie vous entend, vous savez. Parle-moi, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Vous savez, quand j'étais dans le coma après mon accident, je percevais très bien mes voix.
tout ce qui se passe autour de moi. Il y a les voix qui vous apaisent, qui vous font du bien. Et puis il y a celles qui vous font peur. Je me rappelle particulièrement de celle d'Esther. C'était comme une douce musique. Ça me faisait du bien. J'ai appris ce qui vous est arrivé. Votre accident. Vous êtes une sacrée bonne femme. Vaincre tous les 8000 mètres de la planète, ben, faut le faire. Tous, oui. Sauf un. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais peut-être que vous voulez pas en parler. Oh, vous savez, avec le temps, la douleur s'estompe. Il reste des images. La vie d'une autre femme. C'est pas de l'inconscience, non, c'est autre chose. Un vrai fond d'optimisme. On se dit, c'est pas pour maintenant, et puis... J'ai eu de la chance. Ça compte. Puis j'ai rencontré des gens formidables aussi, qui m'ont aidé à m'en sortir. Voyez, c'est ça ce que j'essaie de faire aussi. Rendre un petit peu de tout ce qu'on m'a donné. Qui m'a tellement aidée. Accrochez Clément. Virginie peut s'en sortir. Faut pas craquer. Je pourrais tuer les salauds qu'on fait ça. T'engages pas. Je parle jamais de toi. On se connaît depuis combien de temps, Stéphane? Depuis qu'on est tout petit, hein? J'ai jamais rien su de ta vie privée. Écoute, t'exagères pas. Puis ma vie privée, elle en partie ici, la clinique, le bloc opératoire. Oui, je sais, c'est un romantisme fou. J'allais te le dire, ouais. Dis-moi pourquoi.
dis-moi pourquoi, enfin. Pourquoi tu t'es réveillée ce matin et puis tu t'es dit, voilà, c'est fini, je la quitte. Emily, tu me prends pour ce que tu veux. Un con, un salaud. Je te comprends. Mais quoi, on n'est pas heureux tous les deux? Mais c'est du flan, le bonheur. Ça rime à quoi, tous ces sourires, tout ce qu'on peut dire, si on ne pense pas vraiment? Je trouve ça dégueulasse d'aimer deux femmes en même temps. Faut choisir, alors j'ai choisi. Mais qui c'est l'autre? Et puis pourquoi tu veux choisir? Moi je veux bien partager. Je t'aime assez pour ça. Arrête, t'es moche. Sébastien. Je cherche quelqu'un. Bonjour, Virginie Fabre. Oui, c'est au fond à gauche. Vous êtes de la famille? Ah, oui. Un ami. Oui, suivez-moi. Bravo. C'est bien. On sent déjà ces petits pieds qui dansent. Très bien. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Voilà, je m'appelle Bruno Pélexis. Ah oui, oui. On va savoir qui vous êtes. Venez, on va pas rester là. Donnez-moi ça. Ah, Clément, bonjour. Je vous retrouve dans la chambre de votre femme tout à l'heure. Venez. 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 C'était lui, hein, qui a percuté ma femme. Putain, il osait venir, vous l'avez laissé partir. Plus exactement, je lui ai demandé de partir. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Écoutez, Clément, je suis là pour vous aider, pour aider Virginie. De toute façon, je sais bien que c'est fou, tu voulais pas me dire, mais j'ai compris. Hein. Mais... Allez, venez, Clément. Peut survivre. Mais bien sûr. Elle est bien vivante, puis elle se porte comme un charme. J'ai fait une gaffe. J'ai dit elle. Non, je l'ai fait exprès pour vous faire sourire. Ça marche. C'est une fille. Ouais. Je savais. Non. Non, je savais pas. C'était Virginie qui savait. Bien sûr, parlez-lui, elle va reconnaître votre voix. Papa. Tu me reconnais? Bébé. Elle reconnaît ma voix. Ouais, bien sûr.
Salut. Salut. Ah oui. De quoi? T'es tellement con d'être parti. Écoute, Sébastien, parle pas comme ça de ton père. On peut comprendre ce qui lui arrive, non? Comprendre? Mais tu vas arrêter de nous jouer Mère Teresa, là? Tu vois pas que c'est un salaud qui est en train de tout foutre en l'air? Pourquoi? Pour un putain de fantasme de merde. C'est quoi, ça? Écoute, il aime peut-être encore Laurence. Ah ouais, il l'aime. Mais comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui t'a planté du jour au lendemain? T'as jamais vu pleurer ton père? Moi, oui. C'est pas beau. T'as pas le droit de le juger, Sébastien. Thomas sait plus où il en est. Il a besoin de temps, c'est tout. Tu sais, c'est pas facile de tirer un trait sur son passé. Génial. T'as raison, mais tant l'autre joue! T'es qu'une midinette, Anne Belflon! T'as pas compris, là, qui t'a plaqué, qui reviendra jamais? T'as pas compris? T'es encore plus conne que lui. J'espère que tu le sais. J'ai pas faim. Excuse-moi. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour. J'ai plus cette habitude avec vous, le lait bébé. Et puis pour masser les mains, c'est beaucoup plus doux. Oula, ça fait une drôle de tête, Anne. Je dors mal en ce moment. Et elle? Enfin, le pluriel, je devrais dire. Ben, tout va bien. J'ai suggéré à Clément d'aller prendre un café en ville pour se changer un peu les idées. Je suis pas sûre qu'un café suffise. C'est vraiment super, Esther. Mmh. Eh ben, super, Esther. On va s'occuper un peu de son amie Anne Belfond, qui ne va pas très bien en ce moment. Vous venez avec moi, Anne? Vous voulez que je vous dise? Le jour où j'ai enterré ma vie de femme mariée, j'ai fait une super fête avec les copines. Bonjour, Nadine. Oh, c'est bien moi, ça. Vous êtes malheureuse et je vous raconte ma vie. Oh là là, c'est Virginie. Suivez-moi, Esther. Oh mon Dieu! Elle est en bradycardie. Elle étouffe. Vite, allez chercher le docteur Berg. J'y vais. Ça va aller, Virginie. Ça va aller. Vous êtes en insuffisance respiratoire. Je vous donner de l'oxygène. Ça va aller. Voilà. Respirez. Marie-Lise, venez m'aider, s'il vous plaît. C'est bien, Virginie. Respirez.
Bon, bah Stéphane, je te dis ce que tu sais déjà. Elle vient de plonger en stade 3. Heureusement, Anne et Esther ont réagi vite. Le cerveau n'a pas eu le temps de souffrir d'un manque d'oxygène. Le bébé? L'écho Doppler est normal. Bien. Je vais demander au professeur Caprioli de passer rapidement à examiner Virginie. Il va falloir parler à Clément. Ouais, je sais, oui. Ça veut dire quoi? Vous m'avez menti? J'étais sûr que Virginie allait mourir depuis le début. Écoutez, Clémence, soyez raisonnable. Vous seriez à ma place, hein? Non. Sans doute que non. Anne. Il faut me le dire maintenant. Est-ce qu'il y a une petite chance pour que Virginie se réveille? Une petite. Il faut me dire la vérité maintenant. Pas de vérité, Clément. Virginie peut aussi bien se réveiller demain que rester plongée dans le coma pour longtemps. Et personne ne peut prévoir l'évolution de son coma. La maintenir en vie comme ça. Mais le bébé Clément. Et votre petite fille. Ma fille. Ma fille. Si vous croyez que c'est un cadeau à lui faire, ça? Un légume en guise de mer, une plante verte arrosée par des machines. J'ai lu un article, ça. Puis c'était une anglaise. Ça faisait 15 ans, 15 ans qu'il était dans le coma, non mais vous vous rendez compte? 15 ans. Oh, non. Dites-moi que vous m'aiderez. Vous, vous pouvez le faire. L'euthanasie est un crime aux yeux de la loi, Clément. La loi. Vous croyez qu'elle a toujours raison, la loi? Si elle se trompait, ça peut arriver. Non. Mais votre enfant vivra. Vous verrez, Clément. Il vivra. J'espère. Oh. Wow. Je vais préparer une petite fête, histoire de changer les idées, quoi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt bienvenu. Oh là là, ta cuisine! Putain. Oh merde! Oh non! Finalement, la quiche au saumon de soir, c'est un peu lourd, non? Ouais, t'as raison, rien ne vaut une bonne petite tartine de pain beurré. Hein? Attends, il me reste quand même les plats froids que j'ai achetés ce matin chez le traiteur. Oh, petit malin! Merci. Attends, si on suit, je te crame. Bah oui. Putain, merci, merci, voilà, ça va, ça va. Tant bon. Et délicieux. Le vin? Ah oui. Trop bu, moi. La Kevin, c'était une amie personnelle. Ah ouais. Ah oui. Tiens donc. Une très bonne amie. Mais quel âge elle a? Mais c'est quoi ces questions, là? Bah, je veux savoir, c'est tout. Ah, pardon, excuse-moi. Quoi? Ouais, tu te défiles, hein? Ouais, c'est ça, je me défile. Joyeux anniversaire. T'es fou, c'est quoi, ça? Joyeux anniversaire. C'est les
fêtes divins. Versaire. C'est pas mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Si, c'est mieux qu'un birthday. Bah t'as peut-être pas de mémoire, mais moi je note beaucoup de choses. Et ça fait un an exactement que tu remarches. Donc c'est la fête. Et là c'est la boulangère qui me l'a compris. Trop mignon. Merci. Allô, oui. Thomas. Non, non, j'attendais ton appel. Il est là, oui. Non. On n'a pas encore parlé, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Thomas? Triste seulement, hein. Ça n'empêche pas. Non, attends, Thomas, tu peux me demander beaucoup de choses, mais pas de te consoler, hein. Bah, laissons-moi Sébastien passer son bac tranquillement, non?
pas faire l'amour avec toi. Non. Pourquoi? Parce que... je viens de vivre une histoire très forte avec ton père. Et puis parce que j'ai 10 ans de plus que toi. Parce que tu dois vivre des histoires avec d'autres filles. Avec Émilie, avec... pas avec moi. Et parce que toi et moi, on s'aime d'une vraie amitié. Qui s'arrêtera jamais. Pas confondre la tendresse et l'amour. Tu veux que je reparte au Paris? Chez mon père? Qu'est-ce que tu veux, toi? Rester ici, bien sûr. Moi, jusqu'au bac. Et plus si infinité. Ben, y a affinité. Le hip-hop, je ne fais pas encore, là, j'en ferai que l'année prochaine. Pour l'instant, je fais du modern jazz. C'est quoi la différence entre le hip-hop et le... Bah, le hip-hop, c'est beaucoup plus rythmé et le modern jazz, c'est tout cool par rapport au hip-hop, bien sûr. Ouais. Moi, je préfère faire la danse contemporaine. Je sais pas si t'as vu la télé, les ballets, je trouve ça vachement sensuel. Je reviens. Tu m'expliques, là? Pas maintenant. Un autre jour. Laisse-moi un peu de temps que je digère. C'est à toi de savoir si tu veux encore moi ou pas, quoi. Des fois, je me dis que j'aimerais bien être à ta place, tu vois. Ah, je viens de sentir son pied, là. Je viens de bouger son pied. Ah, ça te fait gigoter, sa petite chipie. Coquine, Virginie. Marie-Lise, tu nous ouvres la porte de la 14, s'il te plaît. Oh là, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est l'accident de la route. Ouais, j'y vais, moi. Je vais à la gendarmerie. Mais attendez. Non, j'ai besoin de savoir comment ils ont mené l'enquête et surtout ce qu'ils ont conclu. Bah, je vais vous accompagner, alors. Ah oui. Vous avez peur que je rencontre le salopard qui a tué ma femme? Mais attendez, Virginie n'est pas morte? Ah bon? Je vois pas de différence, moi. Aucune différence. Ça va, je vais ouvrir une porte tout seul. Clément, attendez-moi. Clément. Vous voyez, c'est ça la justice. Ah, j'étais con. J'avais pas compris, c'est la faute de Virginie. Hein? Elle se promenait sur la piste des snowboards, elle aurait pas dû. J'ai pu être con. Clément. Affaire sans suite, Madame Fabre ayant pénétré dans une enceinte du Mans réservée, signalée à la pratique des snowboards. Aucune charge pourra être retenue à l'encontre de Monsieur Pélex. Virginie, elle est en train de crever. Il s'est rien passé. Personne n'est responsable à part la victime! Viens, Bruno, viens. Allez. Foutez-moi la paix! Ne pas t'inquiéter. Je ne vais pas te laisser impressionner quand même. T'inquiète pas, c'est fini. Ouais, allez. Non, mais maintenant, il s'arrête plus.
t'as le malheur d'être sur leur trajectoire, t'es mort. Bah ouais. T'as vu à quelle allure ils vont sur les pistes? Ils s'en foutent. Déjà qu'ils te bousculent pour monter dans le télécabine. Alors t'imagines sur les pistes. Tu veux un petit peu de lait? Non, non, merci, ça va. De toute façon, ça devait arriver un jour ou l'autre. Ah ouais, c'est sûr. Enfin, tu vois, t'es d'un cas précis, elle est à pied. C'est très bien que ça t'aide de se promener à pied sur les pistes de ski. C'est trop dangereux. En plus, tout était balisé. Ah, bonjour, on n'a pas eu le temps d'être présenté au poste de gendarmerie. Je suis le père de Bruno, oui. Monsieur Pélex. Je sais, oui. Bonjour, Anne Belfond. Anne Belfond, enchantée. Ah, je suis vraiment... Ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Enfin, j'aurais préféré dans d'autres circonstances, bien sûr. Oui, c'est sûr, oui. Dites donc, il n'est pas très commode, ce monsieur Fabre, vous ne trouvez pas, tout de même? En plus, ça impressionne mon fils. Déjà qu'il se sent assez coupable comme ça, alors qu'il n'a rien fait. Il voulait même s'excuser, c'est un comble. C'est terrible, ça, quand même. Oui, mais enfin, vous savez ce qui compte, c'est l'état de Virginie Fabre, non? Oui, bien sûr. Elle va s'en sortir? Oui. Enfin, le coma... Si je peux me permettre. Ouais. Vous savez, Anne, elle a été 5 jours dans le coma. Oh, les médecins donnaient pas cher de sa peau. Regardez-la, maintenant. Ah oui. C'est vrai que... Ah, mais... Vous auriez dû me le dire que vous étiez amis. Oui, ça m'aurait évité de vous avoir fait confiance. Non, mais attendez, Clément, vous vous trompez, là. Vous trompez complètement. Oui, je me trompe, ouais, je me trompe. Alors... Dis-moi, il est où ton fils, là? Hein, qui fait le Zorro sur les pistes? Mais en dehors de ça, il n'y a plus personne. J'ai deux mots à lui dire, moi. Non, non, il est parti. Il arrive dans 5 minutes, c'est tout. Non. Non, écoutez, monsieur Fabre, je comprends très bien ce que vous pouvez éprouver. En étant adulte, on doit pouvoir s'arranger. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous dédommager. C'est bien normal. Je vais vous dédommager. Du fric? Oui? Il me propose du fric? Ma femme est morte et tu me proposes du fric? Tu me proposes du fric? Mais t'es un fumier! Non, pas tu du tout! Du fric! Non, non, mais attention! Non, mais je suis en train de me faire! Pourquoi t'appelles ça? Quoi? C'est moi! Je suis Michel Pélex, hein, faites attention! J'en ai rien à foutre! J'en ai rien à foutre! Mais attention, calmez-vous! Calmez-vous, hein! Pourquoi? Non, c'est pas moi qui vais arrêter! C'est l'autre! Pas les menottes! Pas les menottes! Pélex! Oui. Je t'aurai, Pélex. Monsieur Pélex, ouais, quand pas. Tu voudras, c'est ça, quand tu voudras. Non, mais... Lâche-moi. Oh, ça va, c'est rien, j'en ai vu d'autres. Vous voulez que je vous accompagne si vous voulez porter plainte? Ouais, allez, on y va. Oh, Pélex, c'est lamentable. Tu vas pas porter plainte? Attends, je comprends pas, là. Tu crois pas qu'il en a pris assez dans la gueule, ce pauvre type? Bah, et moi, donc, elle est bien bonne, celle-là. Je suis désolé, Bruno, il m'a sauté dessus, je vais quand même pas me laisser marcher sur les pieds. Et puis je suis ton père, c'est moi qui décide, non? Pas question que tu déposes plainte. Écoutez, c'est comme vous voulez, mais là, faudrait peut-être... T'as déjà oublié ce que j'ai fait ou quoi? L'affaire est classée sans suite. Pas pour moi. C'est terrible quand même, ça. Mon fils s'est laissé impressionner. Forcément, il est jeune. Il voit un type qui hurle qu'on est des assassins, alors il culpabilise. T'es pas responsable, on t'a dit. Bon, si vous croyez que je peux faire quelque chose pour lui, hein. Enfin, pour sa femme, vous me prévenez? Bon, on y va. Je vais rater tous mes cours, moi. Il fera marcher sur la tête, hein. Bon, bah maintenant, on va aller s'occuper de monsieur Fabre. Vas-y, finissez ça. Bien, mon capitaine. Mmh. Je sais ce que vous allez me demander, mademoiselle Belfond. Mais Bruno Pélex a raison. Ce que Clément Fabre a vécu depuis quelques jours, c'est au-delà du supportable. J'ai appris que sa femme était enceinte. Elle est toujours. Elle est toujours. Allez, je vous en prie. Laissez-le sortir. Je vous promets qu'il se passera rien. Il est fini, ce PV? Oui, oui, mon capitaine. Bon, venez avec moi, vous. Vous allez pouvoir regagner votre hôtel puisque votre ange gardien est là. Mais je vous préviens... Ah, ça va, pas de sermon, c'est bon. Je me suis calmé. Merci. Merci. Vous
te laisse toute seule avec lui. Je crois que c'est une femme. Faut pas rester comme ça, Clément. Ça sert à rien. Encore, j'ai arrêté de chialer. Plus une heure. Vous voulez venir dîner à la maison? Vous êtes gentil, mais je crois pas que je serai un convive très très marrant. Vous savez, j'ai pas forcément envie de rire non plus. Allez, venez. Je vous ramène dans un moment, Virginie. Venez. Il s'est encore collé en fibrillation. Ça fait la troisième fois. Oui, bah il faudrait qu'il perde cette habitude. Bon, tu vas lui faire 50 cc de taxédrine en intracardiaque, d'accord? Ok. Avec les motorax qu'il a eu, il est mal barré. On verra. Je vous prépare ça tout de suite. Hein. Encore un qui a bien raté son virage. Philippe, tu viens m'aider s'il te plaît. C'est curieux la vie. Virginie voulait partir au... Au soleil pour ses vacances, les palmiers, les cocotiers, la mer, j'aime pas trop. Alors elle a cédé. Elle a cédé pour me faire plaisir. Faut pas culpabiliser Clément. Tout ce qui est arrivé, c'est pas de votre faute. Ah, vous dites plus ça va s'arranger maintenant. Il a cessé d'y croire, vous aussi. Hello. Bonjour. Bonjour. Émilie. Bonjour. Bonjour. Elle est très très jolie. Prends soin d'elle. On essaie. On essaie. Je comprends pas, le bébé il peut continuer à grandir tranquillement, même si... Non mais ce qui compte c'est qu'il... Enfin qu'elle plutôt, qu'elle manque de rien. Elle a tout va bien, elle est bien nourrie, elle est bien oxygénée. Alors autant la laisser prendre des forces. Aussi, s'il se passe rien de nouveau pour Virginie... On provoque l'accouchement par césarienne. C'est ça, Anne? Oui. Vous savez, Clément... Ne dites rien, s'il vous plaît. Je vous avais prévenu, je ne serais pas un convive très, très, très marrant. Vous voulez pas rester pour la nuit? Non. Je préfère rentrer à la clinique et rester auprès de Virginie. D'accord. Vous vous rappelez pour retourner au carrefour en bas, vous tournez à gauche? Oui. Aux entrepôts Pélex, je tourne à droite. Vous voyez, c'est pas un détail qui m'a échappé en venant. J'ai même eu un accès de haine, si vous voulez savoir. Vous êtes sûr que... Oui, vous inquiétez pas, je suis un grand garçon maintenant. Très grand garçon, bien raisonnable. Lucide. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait, Anne. C'est un peu banal, je sais, mais je voulais vraiment vous remercier. C'est mieux comme ça. Il aurait traîné des mois dans le coltard. Moi, à sa place, j'aurais préféré que tu me débranches. Ok, mais c'est pour la famille, tu sais bien. On parle pas comme ça de venir. Allez, dépêchez-vous. La famille. Personne n'est venu le voir pour venir. Marie-Lise, va appeler Anne-Stéphane. Ses coups ne sont pas normales. Oh là là, pourvu qu'il arrive bien au bébé,
pas possible. Allez-y vite. Rentrez là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a des... Par là. Rentrez, attention, commandant. Venez, monsieur Pellet. Ça risque d'exploser. S'il vous plaît, ne restez pas là. C'est à moi qui ça, ça crame. Mais c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il faut, ça va, il fait pas. Écoutez, ça suffit maintenant. On en est là. Oh, faites attention quand même, hein. Oh, vous essayez de coiffer le feu, là. Mon Dieu, mais j'ai au moins deux cendriers qui brûlent, là. C'est à moi qui se bordel, regardez-moi ça. Ça brûle de partout, non, attendez, ça flambe, attendez, calmez-vous. Vous avez fait des travaux particuliers aujourd'hui? Vous avez utilisé des produits chimiques? Mais non, rien du tout. C'est lui, je l'avais dit, c'est Clément Fabre qui a foutu le feu. Ça va, je pense qu'on va maîtriser la situation rapidement, mais il y a ce tuyau là qui brûle. Ouais. On va faire attention parce qu'il y a un tuyau de 45. Je l'avais dit, c'est un fou, ça. Mais arrête un peu, c'est pas lui, ok? C'est pas lui. Monsieur Payet, ça merde de partout. Ça brûle de partout. Calmez-vous. Je suis calme. Eh, hey, là, vous allez me le coincer, hein. Vous allez me le coincer tout de suite. Calmez-vous, on s'en occupe. Ce qu'il faut, c'est protéger le bâtiment. Venez. Attention, là. Tu vois, attention, je te l'avais dit, hein. Tu te rappelleras, hein. Vous les deux équipes passent dessus, là. Tu as besoin de renfort, là. Ça va aller? Calmez-vous, on s'en occupe. Calmez-vous. Bon, je vais à la clinique de Blanche. Je veux le voir en tôle ce soir. En tôle. Pourquoi? Ils sont tous. Regarde. Non. Allez, faut se dépêcher parce qu'il y en a quand même quelques-uns, là, hein. Enfin, c'est pas possible, je peux pas le croire. Enfin, Clément a démoli le père Pellex, il l'a publiquement menacé, les établissements Pellex sont en train de cramer, et comme par hasard, votre petit protégé a disparu, là. Et vous ne savez pas plus que moi ce qu'il a fait cette nuit. Et alors? Il a dîné chez moi, il y a des témoins. Oui, mais ça, c'était hier soir. Moi, je veux savoir où est-ce qu'il s'est planqué maintenant. Ça arrive, Maria, mais Clément Fabre est incapable de faire une chose pareille. Écoute, on ne peut pas savoir ce qui lui est passé par la tête. Clément a subi un énorme choc. En fait, Stéphane, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, pas toi. Bon, en tout cas, Clément Fabre n'est pas ici. Tu es rassuré. Rassuré, Je laisse deux hommes dans le parc. Pas vrai pour le dérangement. Je vous raccompagne. Merci de la vie. Mais Clément, vous étiez où? Je vous ai cherché partout. Je suis fait un petit footing, j'avais besoin de me défaire. Trois. Les entrepôts Pellex sont en flammes, Clément. Et alors, je vais pas chialer parce que les entrepôts Pellex sont en flammes. Parce que vous croyez que c'est moi qui ai foutu le feu? Pourquoi on emmenait Virginie au bloc opératoire? Parce qu'on est obligé de la descendre pour faire un scanner fœtal. Parce que le bébé présentait des signes inquiétants de détresse. Mais rassurez-vous, le docteur Tellier les a examinés. Là, elles sont sous surveillance monitoring. Puis à quoi que ce soit, il est prêt à intervenir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ce bordel? Je veux voir ma femme. Clément! Je veux voir ma femme! Clément, mais calmez-vous, Clément. Clément, attendez. Clément. Je vous avoue que j'ai pas de mal, quand même. Je me balade tout seul. J'ai le feu chez les Pellex. Mon bébé, il est en détresse. Ma femme, elle est en train de crever. J'en ai marre, si vous saviez que j'en ai marre. C'est Clément, l'incendie, je sais que vous n'y êtes pour rien. Je n'y suis pour rien. Je ne peux pas vous laisser partir toute seule. Toutes les deux, je ne peux pas. Je viens avec vous. Je viens avec vous. Faites bien. Donne-moi la main. Voilà. Oui. On est bien.
ensemble. Tu vas plus souffrir, c'est fini, tu ne vas plus souffrir. T'as froid? Attends. Attends. Clément! Vite, ils sont enfermés. Il a pris des médicaments, je suis sûre qu'il les a avalés. Merde. Vous croyez qu'un coupable se comporterait comme ça? Vous savez, moi j'en ai tellement vu que ce genre de certitude, j'en ai plus, hein. Bon, arrêtez, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas, ils sont blindés. Il faut appeler les pompiers. Enfin, sauf qu'ils sont tous chez Pélex. Merde, c'est l'alarme. Il l'a débranchée. Quoi? C'est sa femme, c'est l'alarme de son assistance respiratoire. C'est fini, mon bébé. C'est fini. Bon, Stéphane, dépêche-toi! Les piles de lumière! T'as une corde? Oui, dans la voiture. Ok. Estelle, vous restez derrière la porte, on se journal. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est monsieur Farm qui a débranché sa femme, ils sont enfermés avec. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. C'est bon, ça va. C'est bon. Vas-y. Fais attention. Ça va? Ça va. Vas-y. Vite, c'est bon, tu peux lâcher, tu peux lâcher. Vite, Stéphane, lâche, lâche, lâche. Va plus vite, Stéphane, va plus vite. C'est bon, Anne, je te tiens. C'est bon? Ouais, ouais. Lâche. Voilà. Encore. 4 mètres. Encore 3 mètres, Stéphane. C'est bon. C'est bon. C'est bon, Esther, s'il vous plaît. Vite. D'estomac. Dominique, aidez-moi, je vais lui faire un Doppler. Esther, dégagez-lui le ventre, s'il vous plaît. Phoebe Peberg? Oui, il arrive. Stéphane, le bébé. Il faut le sortir tout de suite, vite. Ici? Oui, on n'a pas le temps de la déplacer au bloc. Dominique, préparez tout pour la césarienne. Anne, tu restes avec moi, pour que cette petite fille ait au moins sa copine en arrivant. Esther, vous avez déjà été sage-femme. Oh, oui, oui. Bon, parfait, Esther, alors vous m'engagez comme assistante. Alors Stéphane, on y va? Oui, on y va, tout de suite. Ok, c'est parti. Écarteur. Stéphane, c'est pas très bon, hein. Faut que tu me la tiennes encore une seconde, Bert. T'entends? Juste une seconde. Ça a l'air bien tonique, c'est formidable. Oui. On est là tout de suite sur la table de réanimation. Elle est magnifique. Bonjour petite fille, tu me reconnais? Passez-moi la cuvette. Vous avez bien préparé les fils? Oui.
Alors ? C'est pas très brillant, hein. L'effet de l'anesthésie est passé, mais son pouls reste filant. Elle a une énergie, cette petite fille. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, Berg ? Sa fréquence remonte. Elle pousse le respirateur. Virginie ? Vous entendez, Virginie ? C'est votre petite fille. On n'a jamais vu ça. Oui, vous l'entendez, oui. Les réflexes pupillaires et de déglutition sont revenus. La respiration est spontanée. Ébauche des réflexes musculaires. Je vais arrêter de me ridiculiser avec les pronostics, mais à mon avis, elle va pas tarder à se réveiller. J'ai lu un article l'année dernière dans le Lancet, un cas similaire aux USA. Vous me croyez quand je vous dis que c'est pas moi qui ai foutu le feu aux entrepôts Pélex ? Mais oui, je vous crois, Clément. En fait, le feu est parti d'un court-circuit. Lyotée attendait que vous alliez un petit peu mieux pour venir vous le dire. Vous croyez vraiment que je vais mieux ? Oui. La mère est brusquement revenue au moment de l'accouchement. Je crois que nous sommes dans la même situation. Comme on dit dans les contes de fées, la mère et l'enfant se portent bien. Et le père aussi. Clément, votre femme est en phase de réveil. Elle peut sortir du coma d'un moment à l'autre. Elle va sortir du coma. Oui. Elle va sortir du coma. Maintenant, nous en sommes sûrs. Bien. On vous laisse. Je passerai plus tard. Elle est en pleine forme. Je peux la toucher. Bien sûr, bien sûr. Allez-y. Regardez le scope. Le corps réagit. Elle a entendu sa fille. Et oui, c'est votre petite fille, Virginie. Non, parce qu'il faut réveiller tout doucement. Vous allez vous attendre.